Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Sonne de la trompette. Sonne du chauffard. C'est un jour qu'on sonne du chauffard. C'est un jour qu'on sonne de la trompette. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau mois. Le mois ne commence pas le 1er mai. Mais le mois commence le premier jour de la lune. Alléluia. Amen. Il faudrait que les prophètes puissent rectifier cela. Arrêtez de prophétiser sur les mois de mai. Prophétiser sur le mois de Sive. Alléluia. Amen. Le deuxième mois. Prophétiser sur les nouvelles lunes. Le Seigneur pardonne nos ignorances. Mais il est important que le peuple du Seigneur retourne à la Torah. Alléluia. Amen. Retourne au commandement que Yeshua n'a jamais aboli. Alléluia. Amen. Les nouvelles lunes étaient célébrées par les apôtres. Amen. Amen. Toutes les fêtes de l'éternel, toutes les fêtes de je suis celui qui suis sont éternelles jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Amen. Parce qu'il a dit, même pas la plus petite lettre de Yod ne sera enlevée de la Torah, ne sera enlevée de l'instruction avant que le monde, avant que le ciel et la terre ne passent. Amen. Le ciel et la terre passera avant. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce mois de Sive. Ce deuxième mois de l'année. Alléluia. Amen. Ce deuxième mois de l'année, nous te bénissons pour ce mois. Nous te bénissons pour cette deuxième nouvelle lune. Alléluia. Amen. Cette lune qu'on appelle éclat. Amen. Parce que c'est un temps où le soleil commence à grandir. Le soleil commence à devenir de plus en plus éclatant. Alléluia. Amen. Plus éclatant que le mois d'Aviv. Plus éclatant que le mois du printemps, le premier mois du printemps. Alléluia. Alléluia. Même Salomon, il nous a dit au mois de Siv, qui veut dire éclat, qui est le second mois. Le second mois n'est pas février. Amen. Le second mois, c'est le second mois du printemps. Amen. Le mois d'éclat. Amen. Le mois de mai, ce sont des noms d'idolâtres. Et chrétiens, c'est un commandement du Seigneur qui nous dit de ne pas prononcer le nom des idoles. Alors arrêtons de glorifier les idoles. Arrêtez de glorifier le mois de mai. Dites le mois de Siv. Alléluia. À la rigueur, le mois de Lia. Amen. Amen. Mais pas avec les noms qui étaient dédiés diaboliquement. Prophète, réveillez-vous. Prophète, soyez enseignés. Sachez que les prophètes et les docteurs marchent main dans la main. Quand Paul a reçu l'appel, eh bien, ils étaient réunis avec des prophètes et des docteurs. Amen. Amen. Parce que le prophète peut se tromper s'il n'a pas l'enseignement, s'il n'a pas la base de la Torah. Amen. S'il n'a pas la base des instructions que les prophètes ont données. S'il Amen. Ne profite pas des instructions que Moïse a laissées. S'il ne profite pas des instructions que tous les prophètes avant Jean-Baptiste ont laissées. Amen. 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 Oh, que le mois de Siv soit un mois béni pour toi. Que tu entres dans le mois de Siv aujourd'hui. Amen. Amen. Alors suivez la paracha. Si vous êtes prophète, si vous avez reçu une onction, la paracha est très importante. Parce que c'est ce qui permettra que vous ne puissiez pas vous détourner ni à gauche ni à droite des paroles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et là, je prends du temps pour vous, malgré que j'ai un boulot. Je prends du temps pour essayer de traduire les mots pour vous, les noms des pères, afin de savoir que Yeshua n'est pas venu comme ça sur terre. C'est parce qu'il y a eu des pères avant lui. Amen. Amen. Et de père en père, leur nom avait une signification. Amen. Amen. Une signification prophétique. Pourquoi nous ne nous intéressons pas aux paraboles, aux généalogies? Parce que nous ne comprenons pas. Parce qu'ils ont fait une sorte de translittération qui n'est même pas une. Ils sont passés de l'hébreu au grec. Et le grec n'est pas proche de l'hébreu. Le latin est plus proche de l'hébreu que le grec. Amen. Parce que le grec, tu ne peux pas reproduire toutes les lettres. Tu ne peux pas reproduire toutes les lettres de l'hébreu. Tandis qu'en latin, avec deux lettres du latin, vous pouvez faire le son d'une lettre en hébreu. Amen. Amen. Le son H n'existe pas en grec.
Le son « che » n'existe pas en grec. C'est pourquoi on s'est retrouvé de Yeshua à Jésus. Parce qu'il n'y a pas de « h » en grec. Et après, on a traduit du grec au latin et du français. Non. Tandis qu'en latin, on avait toutes ces lettres. On pouvait regrouper deux lettres pour trouver le son. Amen. 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 Et cela nous a déracinés. Et là, nous allons retourner à la racine. La racine, c'est depuis Adam. Amen. La racine, c'est depuis Adam jusqu'à Yeshua. Et chacun, ils avaient un nom prophétique. Amen. Praise the Lord. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un jour prophétique. Amen. C'est une semaine prophétique. C'est un mois prophétique. Amen. Et ce mois qui commence par le premier jour du deuxième mois, nous sommes le deuxième jour de la semaine. Amen. 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 Nous sommes le deuxième jour de la semaine. Je veux dire, nous sommes. Nous sommes le jour Shini. Amen. Je veux dire deuxième. Mais en même temps, nous sommes la deuxième semaine. Pour aller vers Shavuot. Alléluia. Amen. Nous sommes le deuxième jour de la deuxième semaine. Au deuxième mois. Amen. Hein? Cela vous permet de comprendre le langage biblique. Hein? Souvent, le langage biblique, c'est comme ça. Le deuxième jour de la deuxième semaine de Shavuot. Le deuxième mois. Amen. Et aujourd'hui, c'est un jour, c'est le neuvième jour du Homer. Amen. Alléluia. Le premier avis. Alors aujourd'hui, c'est un jour qu'on sonne de la trompette. Amen. Amen. La paracha du jour, c'est la chili. Amen. Et la couleur de l'arc-en-ciel du jour, c'est la deuxième couleur. C'est le indigo. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lecture de la chili. Le premier ziv, 1993, du règne de Yeshua HaMashiach, roi des rois. Sur son compte. Amen. Amen. Ça fait 1993 ans au minimum qu'il a été sacrifié. Amen. Amen. 1993 ans au minimum qu'il est l'agneau sur le trône. Amen. Amen. Avant cela, il n'était pas l'agneau sur le trône. Il était bien sur le trône, mais pas en tant que sacrifié. Il était sur le trône, mais il n'était pas immolé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'agneau immolé. Amen. Tant que le ciel et la terre ne passera, il sera l'agneau immolé. Amen. De la Nouvelle Jérusalem, nous ne savons pas si ce sera l'agneau immolé. Dans tous les cas, on a vu que les êtres vivants, qu'est-ce qu'ils adoraient? L'agneau immolé. Les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils adoraient? L'agneau immolé, qui veut dire Yeshua crucifié. C'est-à-dire le crucifié ressuscité. Alléluia. Parce qu'il a été crucifié, les marques ne vont pas sortir. Parce que les marques de Yeshua, c'est une marque mémorable. Qui veut dire c'est une marque sur le front. Et c'est cette marque qui va marquer les 144 000. Amen.
c'est la marque de l'agneau crucifié. Amen. Ce n'est pas l'agneau est crucifié puis on passe à autre chose. Il est ressuscité, ça n'a plus. On passe à autre chose. Non. Il restera à jamais l'agneau immolé. Tu le chantes souvent, mais sache que c'est une réalité. Que tu le veuilles ou pas. Quelle que soit ta doctrine ou pas. Amen. Amen. Il est l'agneau immolé. Tant que le ciel et la terre le passera, il sera toujours l'agneau immolé. Amen. Alléluia. Et nous allons l'adorer en tant qu'agneau immolé. Tous les êtres vivants qui seront, quand l'église sera enlevée, ce sera l'agneau immolé qui vont adorer. Amen. Ce n'est pas parce qu'il s'est présenté devant Jean et puis il a dit, j'étais mort. Il dit, j'étais mort. J'étais crucifié. Amen. J'étais vacciné. C'est pas parce que vous avez eu tous vos vaccins, vous n'êtes plus vacciné. Amen. Vous gardez la marque du vaccin dans vos gènes. Amen. Eh bien, il garde la marque des clous. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir la généalogie de Yeshua. Nous avons vu le Yeshua de talonneur, Jacob, père de louange, Yoda et ses frères. Alors, il est le père de Yoda. Alors nous allons relire ce que nous avons lu hier, juste quelques versets. Le 23e père, parce que Jacob c'est le 22e. Isaac, du moins, c'est le 22e. Jacob c'est le 22e. Amen. Et Yehuda, c'est le 23e. Amen. Bonsoir, Père, peuple d'Elohim. Père Louange, Yehuda. Matthieu, chapitre 1, verset 2. Et talonneur, Jacob engendra Louange, Yehuda et ses frères. Naissance de Louange, Yehuda, Bereshit, Genèse, chapitre 29, 32, versets 32 à 35. Les quatre aînés de Talonneur, Jacob avec Gazelle, Léa. Gazelle, Léa devient sainte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Voyé, un fils Yehuben. Oui, elle dit, oui, je suis celui qui suis, a vu mon affliction, maintenant oui, mon homme m'aimera. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, parce que je suis celui qui suis, a entendu que j'étais haï, il m'a aussi donné celui-ci. Elle lui donna le nom de entendu, Shimon. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, maintenant mon homme s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de attachement Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit cette fois, je louerai, je suis celui qui suis. C'est pourquoi elle lui donna le nom de louange Yehuda. Et elle cessa d'avoir des enfants. Amen. Alors, elle a cessé d'avoir des enfants pendant un certain temps, et après elle a eu d'autres enfants. Alors, pour revenir sur la naissance de Yehuda, nous avons retenu cela. On s'est vu qu'il s'appelle Louange, parce que lorsqu'elle est devenue enceinte, elle a dit cette fois, je louerai, je suis celui qui suis. Et pourquoi? Il lui donna le nom de Louange, Yehuda, en hébreu. Et elle a cessé d'enfanter, mais après, Rachel a donné sa servante a donné deux enfants. Et lui, elle à nouveau, elle a donné sa servante. Elle a eu deux enfants. Et après, elle a enfanté encore un fils et une fille. Et c'est après cela, elle a eu. Elle est tombée enceinte pour la première fois, Rachel. Rachel qui veut dire brebis. Et à ce moment-là, Rachel. Elle a eu ses deux fils et elle est morte à la naissance de son dernier fils, Benjamin. Amen. 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 Il veut dire fils de ma main droite. Mais elle avait bien donné fils de ma douleur, mais son père a changé cela et mis fils de ma main droite. Amen. Amen. Alors, Yehuda, nous allons voir sa descendance maintenant. Comment le Seigneur s'est pris pour lui donner la descendance? Amen. Qu'il fallait. Il a eu trois enfants.
Mais ce ne sont pas ces trois enfants-là que le Seigneur a choisis pour la descendance. Alors lisons cette histoire, c'est très intéressant. Yehuda et Tamar, Bible de Yeshua Amashira, Bereshit, Genèse, chapitre 38, versets 1 à 26. Il arriva qu'en ce temps-là, l'orange Yehuda descendit de chez ses frères et se retira vers un homme d'Aloulan, justice du peuple, du nom de Shira, race noble. Là, l'orange Yehuda vit la fille d'un homme, un Kénaïen, du nom de Sauvé, Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devient enceinte et enfanta un fils qu'elle appela du nom de Veillant. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela du nom de Vigoureux Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela du nom de Prière Shéla. Il était à Fos Kézif quand elle l'enfanta. L'orange Yehuda prit une femme pour Veillant, Er, et son premier-né, une femme du nom de Palmier, Talmar. Tamar. Mais Veillant, Er, le premier-né de l'orange Yehuda, était méchant devant Je suis celui qui suis, et Je suis celui qui suis le fit mourir. Alors l'orange Yehuda dit à Vigoureux Onan, va avec la femme de ton frère, exerce envers elle ton droit de beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Mais Vigoureux Onan, sachant que les enfants ne seraient pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait fut mauvais aux yeux de « Je suis celui qui suis ». C'est pourquoi il le fit aussi mourir. Et l'orange Yehuda dit à Palmier, Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que, Prière, Shéla, mon fils soit devenu grand. » Car il se disait, « Il faut prendre garde qu'il ne meure comme ses frères. » Ainsi, Palmier Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. Après beaucoup de jours, la fille de Sauvé, Shua, femme de l'orange Yehuda, mourut. Lorsque l'orange Yehuda fut consolé, il monta vers ceux qui tondaient ses brebis à Antrav, Tina, avec Shira, race noble, d'Alunamite, justice du peuple, son ami intime. Or, on informa Palmier, Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père monte à Antrav, Tima, pour tondre ses brebis. » Alors, elle ôta ses habits de veuve, se couvrir d'un voile, et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Double Source et Naïm, sous le chemin de Antrav, Tina. Car elle voyait que Prière Shéla était devenue grand, et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Et quand l'orange Yehuda la vit, il s'imagina que c'était une prostituée, car elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et lui dit, « Permets, s'il te plaît, que je vienne vers toi. » Car il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et elle répondit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau d'entre les chefs du troupeau. » Elle répondit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je ?» Et elle répondit, « Ton seau, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. » Et il lui donna. Il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Puis, elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. L'orange Yehuda envoya un chevreau d'entre ses chèvres par la main de son ami Adoulamite, Shira, race noble, pour qu'il retire le gage de la main de la femme
mais il ne la trouva pas. Il interrogea les hommes du lieu où elle avait été en disant « Où est cette prostituée qui était à double source et Naïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a pas eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de l'ourange Yehuda et lui dit « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les hommes du lieu m'ont dit « Il n'y a pas eu ici de prostituée. » L'ourange, Yehuda dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Il ne vaut pas nous faire mépriser. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, mais tu ne l'as pas trouvé. Et il arriva environ 3 mois après qu'on informa l'ourange, Yehuda, en disant, Palmier, Tamar, ta belle-fille a commis un adultère, et voici, elle est même enceinte. Et l'ourange Yehuda dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on la faisait sortir, elle envoya dire à son beau-père, « Je suis enceinte de l'homme à qui ces choses appartiennent. » Elle dit aussi, « Reconnais, s'il te plaît, à qui sont cet anneau à cacheter, scellé d'un sceau, ce cordon et ce bâton. » Alors l'ourange Yehuda les reconnut et il dit, « Elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai pas donnée à prière chez là mon fils. » Et l'ourange Yehuda ne la coucha plus avec Palmier Tamar. Disons, j'ai fait une faute, hein. L'ourange Yehuda ne couchera plus avec Palmier Tamar. C'est-à-dire c'est la seule fois qu'il a couché avec. Amen. Alors, mais elle est devenue son épouse. Amen. Et plus tard, toutes ces choses ont été mises dans la loi de Moïse. Amen. Alors, quand elle est tombée enceinte de jumeaux. De jumeaux. Amen. Parce que lui-même, Yehuda, son père était jumeau. Lui, à nouveau, il a des jumeaux. Amen. Il avait déjà eu 3 enfants. Et là, ça fait 5 enfants. Il y a eu 2 qui sont déjà morts. Amen. Alléluia. Amen. Alors, disons le 24e père, Brèche. Direct, pourquoi on l'appelle Brèche? Donc, il s'est fait une place. Alors, lisons cela. Matthieu, chapitre 1, verset 3. Et l'ourange, Yehuda, engendra Brèche, Pérec, et Écla, Zérac, de Palmier Tamar. Amen. Elle a eu 2 enfants. Là, c'était des jumeaux. Des jumeaux. Il a tiré un coup et il a eu 2 balles. Amen. Alors, la naissance de Brèche et Écla. Comment ça s'est passé? Ça ressemble un peu à la naissance de Ésaü et Jacob. Amen. Alors, disons cela. Bereshit Genèse. Chapitre 38, versets 27 à 30. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici des jumeaux étaient dans son ventre. Et il arriva, comme elle accouchait, que l'un d'eux donna la main. La sage-femme la prit et attacha sous la main un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Et il arriva, comme il retira la main, que voici son frère sorti. Elle dit, quelle brèche tu as faite? Et on appela son nom Brèche, Pérec. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on l'appela son nom Écla, Zérac. Amen. Voilà comment il est né. Amen. Amen. Comment Brèche est né? Alors Brèche, à son tour, il a des enfants. 25e père, grand-père. Et one. Ah, le TH, c'est la lettre. Laisse-moi vous dire. Le TH, c'est le Sabbat. Amen. Matthieu, chapitre 1, verset 3. Et Brèche Pérec engendra Rampa Esron.
Genèse chapitre 46, verset 12. Fils de l'Ourange, Yehuda, Er, Onan, Shéla, Pérec et Zarak. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Pérec furent Rampa, Estron et épargné Amoul. Amen. Pérec. Pérec. Amen. Alors lui, ses fils, c'est Ram. Amen. Pérec, il a eu comme fils Ram. Matiarou. Alors, Ram qui veut dire élevé. Comme je vous ai déjà dit, RM, ça veut dire élevé. Vous trouvez ce. Dès que vous voyez ces deux lettres se suivre, ça veut dire élevé. Dans Abraham, dans tous, dès qu'il y a un mot qui est élevé là-dedans, il y a toujours R qui surpasse le M. Amen. Matiarou, chapitre 1, verset 3. Et Rampa, Esron, enchanda, élevé, Aram. Chronique, chapitre 2, verset 9. Alors, Aram ou Ram, c'est pareil, parce que c'est Aleph. Les fils qui naquirent à Rampa, Esron furent avoir pitié d'Elohim. Yéra, Shemel, élevé, Ram et audacieux, Kelouba. Kelubaï. Alors, souvent c'est traduit par Caleb hein, dans certaines Bibles. Amen. Alors, l'un des fils de Ram a été, l'un de sa famille a été voir Job, parmi les trois hommes qui ont été voir Job. Alors, nous allons lire cela parce que ça permet de comprendre le livre de Job. Ce n'est pas un poème. Le livre de Job, c'est une réalité. Ce sont des personnages réels. Amen. Et c'est l'un des fils de Ram, des descendants de Yehuda. Il était parmi les trois fils. Alors, nous allons lire son intervention. Lui, c'est celui qui ne disait rien. Et au dernier moment, il a réagi envers Job. Alors, Job, ça s'appelle Iyov. Iyov, hein, Iyov. Amen. Parce que le J n'existe pas en hébreu. Iyov. Amen. Alors c'est Job 32, verset 1 avec 9. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Iyov parce qu'il était juste à ses propres yeux. Alors s'enflamma la colère de Elohim, je suis Eliou, fils de Baraki, de Bouz, de la famille de Ram. De la famille de Ram. Alors, maintenant, vous savez d'où ça vient. Amen. Alléluia. Alors, Ram qui veut dire élevé. Amen. Ta colère s'enflamma contre Iyov parce qu'elle déclarait juste son âme plutôt qu'Elohim. Ta colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient pas de réponse et qu'ils condamnaient Iyov. Elohim, je suis, Eliou, avait entendu Iyov avec des paroles parce qu'ils étaient plus vieux que lui en jour. Mais Elohim, je suis, Eliou, voyant qu'il n'avait aucune réponse dans la bouche de ces trois hommes, sa colère s'enflamma. C'est pourquoi Elohim, je suis, Eliou, fils de Barakel, de Bouz, répondit en disant, « Je suis plus jeune en jour et vous êtes plus âgé. C'est pourquoi j'ai eu peur et je craignais de vous exprimer mon opinion. Je me disais, les jours parleront et le grand nombre des années fera connaître la sagesse. En vérité, en homme, il y a l'esprit, le souffle de Shaddai qui le rend intelligent. Ce ne sont pas les grands qui sont sages. Ce n'est pas la vieillesse qui discerne la justice. C'est pourquoi je dis, écoute-moi, et je dirai aussi mon opinion. Voici, j'ai entendu vos paroles. J'ai prêté l'oreille à votre intelligence jusqu'à ce que vous ayez examiné les discours. Je vous ai considéré, et voici, personne n'a pris Iyov. Aucun de vous n'a répondu à ces discours.
Ne dites pas, nous avons trouvé la sagesse. C'est elle qui le poursuit et non pas un homme. Il n'a pas dirigé contre moi ses discours. Mais ce n'est pas avec vos paroles que je lui répondrai. Ils ont été brisés. Ils n'ont plus rien répondu. On leur a fait perdre la parole. J'ai entendu jusqu'ils ne disent plus rien, car ils sont restés muets et ils n'ont plus répliqué. Je répondrai pour moi et je dirai mon opinion, car je suis rempli de discours. L'esprit me presse dans mon ventre. Voici, mon ventre est comme un vin qui n'est pas ouvert et il éclate comme des outres neufs. Je parlerai pour respirer facilement. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. S'il vous plaît, je ne soutiendrai la face d'aucun homme et je ne donnerai un titre flatteur à aucun être humain, car je ne sais pas donner un titre flatteur. Mon Créateur m'enlèverait sous le champ. Amen. Alors, c'est un dessin de Ram. Alors, voici un autre dessin de Ram. Il s'appelle Prince du peuple, Ami Nadab. Matthieu, chapitre 1, verset 4. On le trouve aussi dans un chronique, 2, verset 10, et dans le livre de Ruth, 4, verset 19. Et élevé, Ram engendra prince du peuple, Ami Nadab. Aaron, celui qui vient derrière, épouse Elohim la promesse, Eliéba, fille de prince du peuple, Ali Nadab. Elisheba. Alors, Aaron, il a épousé une fille de Ram. Cela permet de savoir à quelle époque Ram a vécu. Amen. Qui veut dire que là, on est sûrement Israël et en Égypte. Mais peut-être. Il n'y avait pas encore l'esclavage. Qui veut dire l'époque de Job, c'est sûrement passé au moment qu'Israël était en Égypte. Amen. Parce qu'on n'arrive pas à se situer. Mais avec les noms, Ram était déjà né. Amen. Et il avait déjà des descendants. Alléluia. Amen. Exode, chapitre 6, versets 16 à 23. Voici les noms des fils de Lévi selon leur naissance. Gershom, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Les fils de Kéchon, Libni et Shimei selon leur famille. Les filles de Keta, Aran, Yitar et Om et Uzel. Et les années de la vie de Keta furent de 133 ans. Le fils de Merari, Machi et Mouchi, ce sont là les familles de Lévi selon leur génération. Aaron prit Yokedet. Aram prit Yokedet, sa tante, pour femme, qui lui enfanta Aaron et Mouchi. Voilà, alors là, c'est une sorte de la descendance de Yeshua. Mais on parle de la descendance de Lévi. Il s'est marié avec un descendant de Ram. Amen. De élevé. Une descendante de Judas. Les années de la vie d'Aram. Tu veux dire comment il s'appelle? Aaron et Moshe, ils avaient du sang de Judas aussi. Les années de la vie d'Aram furent de 137 ans. Et les fils de Ista, Coré, Néphé et Zikri. Et les fils d'Uziel, Michaël, Elisapha et Chitri. Aaron prit pour femme Elishébad, fille de prince du peuple, Aminadad, sœur de Nashod, qui lui enfanta Nada, Abiyou et Alazar et Itamar. Alazar. Itamar. Amen. Là, on voit la généalogie d'Aaron, parce que c'est important, parce que Aaron, de sa généalogie, de sa descendance, on tirera des grands prêtres. Amen. Qui veut dire que là, nous avons la lignée des grands prêtres. Amen. Des Cohen. Amen. Alors, nous avons fait un petit détour sur eux. Alors, nous revenons sur Nashor, qui est le frère de la femme d'Aaron.
Amen. La femme de Eli Sheba. Et un prince du peuple. Amen. Alors, Eli Sheba, comment dire, Nachon, c'est le 28e père. Hein, il s'appelle Enchanteur. Alors, nous pouvons trouver cela dans Matthieu 1, verset 4, Chroniques 2, verset 10 et 8, 4, verset 20. Et un prince du peuple, Aminadab, engendra Enchanteur Nachon. Enchanteur Nachon, chef de la tribu de l'Orange, Yehuda au désert. Amen. Qui veut dire que dans le désert, Nachon existait dans le désert. Et c'est lui qui était le chef. Alors nous allons voir quelques responsabilités qu'il avait dans le désert. Amen. Ça permet de, à part Moïse, à Aaron, eh bien, qu'on puisse voir les descendants de Juda, quel était leur impact. Et souvent, c'est lui qu'on appelait le premier. Dénombrement des hommes de guerre. Bamida, désert, nombre, chapitre 1, verset 1, 5 à 7. Bamida, qui veut dire désert, désert, parce que c'est l'une des premières phrases qui est prononcée dans le premier chapitre de Nombre. Amen. Alors, à partir du verset 1 à 5 et le verset 7. Je suis celui qui suis, parla à Moshe dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année, après qu'il fut sorti de la terre d'Égypte en disant, relevez les têtes de toute l'assemblée des fils d'Israël selon leur famille. Amen. Alors, il a parlé quand? Le premier jour du second mois. C'est-à-dire un jour comme aujourd'hui. Un jour, la nouvelle lune du deuxième mois. Alors, ce texte est d'actualité. Selon la maison de leur père, selon le nombre de leur nom, chaque mâle par crâne. Des fils de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Vous les compterez selon leur armée, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, le chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Yehuda, enchanteur, Nachon, fils de prince du peuple, Aminadab. Amen. Il veut dire un jour comme aujourd'hui, le deuxième jour. Le premier jour du deuxième mois, mais dans la deuxième année, ils étaient dans le désert. Il veut dire que ça faisait déjà un an qu'ils étaient partis d'Égypte. Alors, voyons quelques responsabilités qu'il avait Aminadab. Disposition du camp d'Israël par tribu. Bamida, désert, nombre, chapitre 2, versets 1 à 4. Je suis celui qui suis, parla à Moshe et Aaron en disant, les fils d'Israël camperont chaque homme sous sa bannière avec des enseignes, des maisons de leur père, tout autour de la tente d'assignation vis-à-vis. Ceux qui camperont à l'est, du côté du soleil levant, seront sous la bannière du camp de Yehuda, selon ses armées. Enchanteur Nachon, fils de prince du peuple, Aminadab, sera le prince des fils de Yehuda. Son armée et ses dénombrés, 74 600 soldats. Amen. Tu veux dire, le chef de la tribu de Yehuda dans le désert était Nachon. Amen. Nachon, tu veux dire enchanteur. C'est un homme qui avait une importance très très importante. Alors, lorsqu'il y a un moment qui avait les offrandes, toujours lui en contact en premier. Alors, c'est dans Banibab, désert. Chapitre 7, verset 1 à 17. Il arriva le jour où Moshe eut achevé de dresser le tabernacle et qu'il eut oint et sanctifié avec tous ses ustensiles et l'autel avec tous ses ustensiles et qu'il y eut oint et sanctifié. Que les princes d'Israël et les princes des maisons de leur père, qui sont les princes des tribus et qui avaient assisté au dénombrement, présentèrent une offrande. Ils emmenèrent leur offrande devant « Je suis celui qui suis ».
chariots en forme, 6 chariots en forme de litière et 12 bœufs, soit un chariot pour 2 princes et un bœuf pour chacun. Ils les présentèrent devant le tabernacle. Alors je suis celui qui suis parla à Moshe en disant, reçois les 2 et qui servent à faire le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Moshe prit les chariots et les bœufs et les remit aux Lévites. Il donna aux fils de Kéchon 2 chariots et 4 bœufs selon leurs fonctions. Mais il donna aux fils de Merari 4 chariots et 8 bœufs selon leurs fonctions sous la main d'Ithamar, fils d'Aaron le prêtre. Allez, de là le double. Or, il n'en donna pas aux fils de Kéta parce qu'ils étaient chargés du service du sanctuaire. Ils portaient ces choses saintes sous les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où on l'oignit. Les princes présentèrent leurs offrandes devant l'autel. Je suis celui qui suis, dit à Moshe, un prince un jour et un autre prince un autre jour. C'est ainsi qu'ils présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aninadad de la tribu de Yehuda. Toujours Nachon. Qui veut dire Nachon, qui veut dire enchanteur. Enchanteur, voilà. Fils d'Aminadad, qui veut dire prince, fils du prince du peuple. Son offrande, un plat en argent du poids de 130 sicles, une cuvette en argent de 70 sicles, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grain. Une coupe en or de 10 sicles, pleine d'encens. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché. Et pour le sacrifice d'offrande de paix, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de l'enchanteur Nachon, fils de prince du peuple, Aninadad, fils d'Aninadad. Bien. Alors, lorsque la nuit se levait, lui aussi, dans les princes, c'était eux qui devaient se lever en premier, mais on ne se lève pas comme ça. Chaque tribu est à son tour. Et c'est toujours de la tribu de Yehuda qui est divisée par Nachon. Nachon, qui veut dire Nachon, enchanteur. Enchanteur. La nuit se lève, reprise de la marche dans le désert. Alors, c'est dans le désert. Chapitre 10, verset 11 à 14. Or, il arriva le 20e jour du second mois de la seconde année que la nuée se leva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée se posa dans le désert de Paran. Ils partirent pour la première fois sur la bouche de « Je suis celui qui suis » par la main de Moshe. Et la barrière du camp des fils de Yehuda partit la première selon leur armée. Enchanteur Nachon, fils de prince du peuple, Aminadad, fils d'Aninadad, commandait l'armée de louange Yehuda. Amen. Alors, quand le feu s'est la nuit se levait, Nachon, c'est lui le premier qui suivait et après les autres tribus. Alors maintenant, Nachon, il a eu un fils qui s'appelle Vêtement. En hébreu, Salmon. Alors c'est dans Matthieu 4, Chronique 2, 11 et 8, 4, 20. Enchanteur, Nachon engendra Vêtement, Salmon. Alors après le 30e père, en lui, la force. En lui, la force, alors c'est un nom qu'on connaît, Boaz, mais on va lire son histoire parce que son histoire est liée à Esther. Amen. Alors nous allons lire quelques passages sur Esther.
qui n'était pas de la descendance de Yehuda, mais qui était une étrangère, parce qu'elle est de la descendance de Lot. Lot, vous savez que sa femme est morte à Sodome et Gomorrhe, et ses filles, sa fille aînée lui a donné, donc ses filles lui ont donné des descendants. Amen. Ils l'ont saoulé, et elles l'ont saoulé, et l'un des fils s'appelle Moab. Alors c'est le père des Moabites, et Ruth est descendant de Moab, une descendante de Lot. Amen. Alléluia. Alors là, on découvre vraiment la grâce que le Seigneur, il accepte les étrangers. Amen. Et regardez le comportement de cette femme. Alors, Ruth, hein, alors, voilà, alors, vêtements, Salmon engendra par lui la face Boaz de la ville de Rassuré. Rahab. Alors, Ruth trouve grâce aux yeux de, en lui, la face, aux yeux de Boaz. Alors, regardons comment ça se passe. Boaz, qui est chef de la tribu de Yehuda, chef de la tribu de Louange. Et regardons comment Ruth se présente. C'est Ruth, parce que le U, ça prononce OU en hébreu. Alors, c'est dans Ruth, chapitre 2, versets 1 à 29. C'est pas un à 23. À 29, excusez. Or, ma gracieuse Naomi connaissait un parent de son homme, un homme puissant, talentueux, de la famille de Elohim, mon roi, Elimelech. Son nom était en lui la force, Boaz. Et Amitché Ruth, la Moabite, descendant de Lot et de sa fille aînée, dit à ma gracieuse Naomi, « S'il te plaît, laisse-moi aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle alla et entra glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il arriva qu'elle se trouva accidentellement dans un champ appartenant à lui la force, Boaz, de la famille de Elohim, mon roi, Elimelech. Et voici en lui la force, Boaz, arriva de Maison Pain, Bethléem, et dit au moissonneur, que je suis celui qui suis, soit avec vous. Et ils lui répondirent, que je suis celui qui suis, te bénisse. Et en lui la force, Boaz dit à son serviteur qui était établi sous les moissonneurs, à qui est cette jeune fille? Et le serviteur qui était établi sous le moissonneur répondit et dit, c'est une jeune femme moabite qui est venue avec ma gracieuse Naomi des champs de en lui la force Boaz. Elle nous a dit, laisse-moi s'il vous plaît glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis qu'elle est venue ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et s'est assise à pleine dans la maison. Alors, en lui la force, Boaz dit à Amitché Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, mais reste ici auprès de mes jeunes filles. Que tes yeux soient sur le champ qu'on moissonne et tu iras après elles. N'ai-je pas ordonné à mes serviteurs de ne pas te toucher? Et si tu as soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sous sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu prêtes attention à moi alors que je suis une étrangère? En lui, la force Boaz lui répondit et dit, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton homme et comment tu as laissé ton père et ta mère, la terre de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier. Que je suis celui qui suis récompense ton œuvre et que ton salaire soit entier de la part de je suis celui qui suis,
l'héroïme d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit, mon Seigneur, je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolé et tu as parlé selon le cœur de ta servante, bien que je ne sois pas moi comme l'une de tes servantes. En lui, la fausse Boaz dit encore à l'heure du repas, approche-toi d'ici et mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Et elle s'assit à côté des moissonneurs. Elle lui donna du grain rôti. Il lui donna du grain rôti et elle en mangea et fut rassasiée et garda le reste. Elle se leva pour glaner et Boaz ordonna à ses serviteurs en disant, qu'elle glane même entre les gerbes et ne l'insultez pas. Et vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous lui laisserez glaner et vous ne devez pas la réprimander. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle battit ce qu'elle avait glané. Elle eut environ un épha d'orge. Et elle l'emporta, entra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi ce qu'elle avait gardé de reste après avoir été rassasiée et elle le lui donna. Alors sa belle-mère lui dit, « Qu'as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui t'a reconnu. » Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et dit, « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle en lui la force Boaz. » Et gracieuse Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de « Je suis celui qui suis » qui n'abandonne pas sa bonté envers les vivants et les morts. » Et gracieuse Naomi lui dit, « Cet homme est un proche parent et il est un de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. » Et amitié out, la Moabite dit, « Il m'a même dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson qui m'appartient. » Et gracieuse Naomi dit à amitié out, sa belle-fille, « Ma fille, il est bon que tu sortes avec ces jeunes filles et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta avec les jeunes filles de lui, la fausse Boaz, afin de gagner jusqu'à la fin de la moisson des orges et la moisson des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Amen. Alors, elle a saisi l'opportunité. Amen. Alors, tu dois saisir ton opportunité. C'est pas parce que tu n'es pas une famille royale, tu n'es pas une famille qui est appelée à jouer un grand rôle. Et elle, eh bien, elle est devenue, comme le Seigneur avait dit à Moshe, tu seras la tête et non la queue. Elle qui est de la famille de Lot, elle a changé son destin. Amen. Amen. Elle a été voir le roi, elle a été voir le chef de la tribu de Yehuda. Amen. Et le Seigneur l'a béni. Amen. Amen. Alors, elle s'approche tout souvent. Hein? Alors, elle s'appelle amitié, elle commence par l'amitié. Et l'amitié finit en amour. Amen. Amitié, obéit soigneusement aux instructions. Amen. Elle est étrangère dans un pays. C'est un bon exemple pour ceux qui sont étrangers. Quand vous êtes dans un pays étranger, faites comme Ruth, obéissez soigneusement aux instructions du pays. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne faites pas le major dans le pays de l'autre. Amitié, Ruth, chapitre 3, versets 1 à 18. Et gracieuse Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, ne te chercherai-je pas du repos afin que tu sois heureuse? Maintenant, en lui la fausse Boaz, avec les jeunes filles duquel tu as été, n'est-il pas de notre parenté? Voici, ils vannent cette nuit les orges qui ont été foulées dans l'air. Lave-toi et roins-toi, puis mets sur toi tes habits et descends dans l'air. Ne te fais pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il se couchera, tu sauras le lieu où il se couche. Puis entre, découvre ses pieds et couche-toi. Alors il te dira ce que tu auras à faire. Elle lui dit,
je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à Léa et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. En lui, la force Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il vint se coucher à l'extrémité d'un tas. Elle vint secrètement, découvrit ses pieds et se coucha. Il arriva qu'au milieu de la nuit, cet homme eut peur et se retourna. Et voici, une femme était couchée à ses pieds. Et il lui dit, « Qui es-tu ? » Et elle répondit, « Je suis aimée, Ruth, ta servante. Étends le pan de ta robe sous ta servante, car tu as le droit de rachat. » C'est amitié, j'ai mis aimé, mais c'est amitié. Et il dit, « Ma fille, que je suis celui qui suis, te bénisse. Cette dernière bonté que tu me témoignes est plus grande que la première, car tu n'es pas allé auprès des jeunes gens, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi ce que tu me diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme talentueuse. Maintenant, oui, sûrement, oui, j'ai le droit de rachat. Mais il y a un qui a le droit de rachat et qui est plus proche que moi. Loge ici cette nuit, et s'il arrive que le matin, ils veulent te racheter, c'est bien qu'ils rachètent. Mais s'il ne lui plaît pas de te racheter, moi je te rachèterai. Je suis celui qui suis et vivant. Couche-toi jusqu'au matin. » Elle se coucha à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva avant qu'un homme ne puisse reconnaître son compagnon. Car il dit, « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Puis il dit, « Donne-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tient et il mesura 6 mesures d'orge qu'il posa sur elle. Puis il entra dans la ville. Et elle vint vers sa belle-mère qui lui dit, « Qui es-tu, ma fille ?» Et elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Elle dit, reste ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment tombera la parole, car cet homme n'aura pas de repos qu'il n'ait achevé la parole aujourd'hui. Amen. Alors la belle-mère est là encore, il a poussé à dépasser l'amitié. Alors en lui, la face boise, à ce moment-là, exerce son droit de rachat, parce que ça s'est pas passé comme il avait dit. Il a dit, si personne ne la rachète, lui il va racheter. Et je pense qu'elle, dans son cœur, elle souhaitait que personne ne vienne. Alors c'est dans Amitié, Ruth 4, verset 1 à 16. En lui, la force Boaz monta à la porte et s'y assit. Et voici, celui qui avait le droit de rachat, et donc en lui la force Boaz avait parlé, passa. En lui, la force Boaz lui dit, « Toi, un tel, détourne-toi et assieds-toi ici. » Et il se détourna et s'assit. Et il prit 10 hommes d'entre les anciens de la ville et leur dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, gracieuse Naomi, qui est revenue de la terre de lui, en lui la force Boaz a vendu la portion de champ qui appartenait à notre frère Elohim, mon roi, Elimelech. Et moi, je me suis dit, je découvrirai ton oreille pour dire, achète-la devant ceux qui sont assis ici et devant les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter par droit de rachat, rachète-la. Mais si tu ne veux pas la racheter, déclare-le moi afin que je sache, car il n'y a pas d'autre que toi qui a le droit de rachat, et moi je suis après toi. Il répondit, je rachèterai. Et en lui la force Boaz dit, le jour où tu achèteras le champ de la main de gracieuse Naomi, tu l'achèteras aussi de aimer Ruth. Amitié Ruth, la Moabite femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat dit,
Je ne peux pas racheter pour moi sans détruire mon héritage. Toi, rachète pour toi mon droit de rachat, puisque je ne peux pas racheter. Ainsi en était-il autrefois en Israël. À propos du droit de rachat et à propos de l'échange pour valider toute affaire, l'homme ôtait sa sandale et la donnait à son parent. Ainsi en était-il du témoignage en Israël. Ceux qui avaient le droit de rachat dit à en lui la force boîte, achète-toi même. Et il ôta sa sandale. Alors en lui la force boîte dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes aujourd'hui témoins que j'ai acheté de la main de Naomi tous ceux qui appartenaient à Moab et Limeek, à qui Langui Kilon et à Malad Machon, et que j'ai également acheté pour femme Amitié Ruth, la Moabite, femme de Malad Machon, pour maintenir le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères de la porte de sa ville, vous en êtes témoin aujourd'hui. Alors, Elohim et Elohim. Alors, lui, la force Boaz prend, maintenant on passe une étape supérieure, prend amitié, oui, pour femme. Hein? Elle était l'amitié, c'était l'ami, maintenant elle devient la femme. Et tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que je suis celui qui suis face, que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel et comme Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël, monte ta puissance dans Éphrata et rend ton nom célèbre dans Bethléem. Que ta maison devienne comme la maison de Pérec, que Tamar enfanta à Yehuda, par la postérité que je suis celui qui suis, te donnera de cette jeune femme. Alors en lui la force Boaz prit amitié Ruth et elle devint sa femme. Il alla vers elle et je suis celui qui suis lui donna de concevoir et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à gracieuse Naomi, béni sois je suis celui qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui un homme ayant le droit de rachat, et donc le nom sera proclamé en Israël. Il deviendra pour toi celui qui te fera revenir ton âme et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Alors gracieuse Naomi prit l'enfant, le mit dans son sein et lui sévit de nourrice. Voilà, c'est la vie de nourrice, donc à l'enfant. Amen. Amen. Alors nous allons poursuivre ça demain sur l'enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alors bénissons le Seigneur pour ce nouveau mois qui commence. Nous sommes le 9e jour des Omer et nous allons continuer dans le 10e et le 11e. Ce sera un jour important parce que ce sera le 40e jour avant la Pentecôte, le jour de la naissance de Yeshua. Amen. Alors nous n'aurons pas le temps de faire toute la généalogie. Alors sûrement on fera, on verra où qu'on arrive demain. Et puis on reprendra, on fera le 4e jour. Parce que Yeshua est né au milieu de la semaine. Amen. Amen. Il est né au milieu de la semaine à son époque. Et cela on peut retrouver en faisant des calculs, on peut retrouver la date de sa naissance. Il est né au milieu de la semaine. Amen. Et en même temps, il est mort au milieu de la semaine. Non seulement on peut connaître le jour de sa mort, mais on peut connaître le jour exact de sa naissance. Alléluia. Amen. Puisqu'il est né le 4e jour de la semaine. Alléluia. 40 jours avant Shavuot, parce que Shavuot, c'est toujours le premier jour de la semaine. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Amen. Soyez bénis richement dans le nom puissant de Yeshua, le Messie. Amen. Amen.